D'emblée, des matières nobles et locales, de la laine aux coloris bien choisis, vous captent le regard, vous plongent dans une forme de nostalgie où le savoir-faire manuel était gage de qualité. C'est une figure matriarcale qui de ses doigts nous fournit le précieux fil de la visite. Sur une trame de fil de chaîne tendue, ce sont de petits doigts qui courent, rythment l'atelier. Au-dessus, le gabarit à respecter. Les yeux fixés, rivés sur la ligne à traiter, les doigts séparent, insèrent, nouent les fils de trame, coupent au couteau. Ces demoiselles, à peine sorties de l'enfance, n'ont comme horizon que le grillage léger, qui les enferme petit à petit, et qui s'alourdit de leur peine. Les années passent et toujours assises. Lorsque le sommeil vous prend, que le regard se retranche derrière les lunettes, le corps par habitude marque le rythme. Telle est la destinée de ces jeunes filles qui, pour fuir ce mur de laine, s'attarde juste le temps d'un regard, dans les yeux des visiteurs. Alors dans ces tapis, voyons-y, fixer le temps de la jeunesse éphémère de ces demoiselles.